Bonsoir et bienvenue dans On a tout essayé. C'est vous ce soir, Christine Bravo, bonsoir. Stevie Boulet, bonsoir. Philippe Vandel, Elsa Fayère, Philippe Gueluc et Jean-Bernard Hébé. Je ne sais pas ce qui s'est passé chez Stevie, mais il est totalement transformé. C'est quoi cette coupe de cheveux avec une sorte de crête? C'est pour représenter le coq français? C'est voilà, c'est pour porter chance au 15 de France. Vous allez finir dans le calendrier, méfiez-vous. Hein. Ah, moi je veux bien. Ah, ça va, je suis plutôt musclé, je serais pas tâche sur le calendrier. Ah, non, je sais pas, c'est Sophie qui m'a fait ça. Et là, tu laisses pousser la barbe? J'ai oublié d'acheter des lames de rasoir. Il y a un côté brut de pomme, comme ça, un côté viril. Ah ouais? Oui. Presque animal. Et même les yeux ont changé. Oui, qu'est-ce que t'as? Bah, j'ai mis mes lentilles. Il n'y a rien de... et même le prénom a changé. Ça va, Robert? Attends, oui. Ta maman a pas fini de tricoter ton pull-over? Elle a pas fini les manches? Oui, c'est vrai. Oui. Elle a commencé, bon, ça s'est pas fini. Pour avoir chaud aux épaules, regardez, c'est très Christine, pratique. Plutôt. Elle est rayonnante. Et moi, j'ai juste changé de place. Ouais. C'est où ta place? C'est là. Ah, tu vois. Elle est bien humble. Ouais. C'est bien de revenir parmi le peuple de temps en temps. En tout cas, moi, ce que j'aime, c'est voir Elsa à la place de l'intellectuel. Mais oui, mais alors c'est ma nouvelle place. Il va falloir t'y habituer. Ouais. Déjà, il y a un truc qui me scie chez elle, c'est qu'elle chante remarquablement bien. C'est vrai. Et ça, on ne le savait pas. Et hier, elle nous a poussé la chansonnette. Elle répétait pour l'émission de samedi. Voilà. Faut tout faire. Il faut tout faire. Elle a chanté une chanson de l'âme. Oui. Écoute, ça m'a sidérée. L'âme a failli partir. Hein. Ah oui, bah elle était. Elle a chanté. Non, elle était très bonne. Elle est très très bien. Oh, merci. Tu devrais faire chanteuse. Ah ouais, t'as vraiment envie que je m'en aille très très vite, toi. Ouais. Bah, c'est bien, Stevie, pour samedi prochain, ça vous fera de l'âme, vous allez enfin pouvoir vous raser. Allez, hop. Il est temps de passer à la photo du jour, et cette photo, c'est celle de ce monsieur. Regardez, on a vu ça dans Le Parisien cette semaine. Monsieur en train de dormir avec son ours en pluche, puisqu'on nous annonce que le doudou fait un retour en force dans notre société. C'est un peu dur pour Édouard Balladur, qu'on surnommait doudou et qui vient d'annoncer sa retraite. Il va peut-être tenter de faire un comeback, notre doudou à nous. Mais c'est sérieux, hein, ce que je vous dis. L'article du Parisien nous explique qu'il y a un vrai phénomène de société. Les gens ne peuvent plus dormir, y compris les adultes, sans un doudou. Décidément, tout le monde vous copie, mon cher Stevie. Vous avez peut-être lancé la mode, souvenez-vous, dans le loft avec... Qu'est-ce qu'il y a? C'est cette photo. Non, mais c'est... Moi, je sais pas, je peux pas m'en passer. Il est tout le temps sur mon lit. J'ai besoin. Et puis, vous savez, ça a une odeur particulière, un doudou. Est-ce que vous avez un doudou, vous, Elsa? Oui, moi, j'ai un coussin qui pue, que j'ai depuis que je suis petite. Et c'est vrai que cette odeur me réconforte. Même la nuit, encore aujourd'hui? Encore aujourd'hui, oui. Il est planqué dans une armoire. Je veux que personne le voie. Mais c'est vrai que quand la nuit tombe, j'ai besoin de me réconforter. C'est comme ça que t'appelles ton mari, coussin qui pue. Mais votre mari accepte ça? Mais il n'a pas eu le choix. Il n'a pas eu le choix. Mais en revanche, je trouve que... Peut-être qu'il pue plus que ton coussin. Oh, c'est pas vrai. Vandel, vous avez un doudou? Non, pas du tout, non, j'en ai jamais. Mes enfants, non. Hein. Mais Stevie, tu dors avec? Quand tu as du monde, si comment ça se passe? Quand j'ai du monde. Dans mon lit? Oui. Quand je suis avec mon mari? Bah, il est là. Vous avez un mari maintenant, vous. Il est charpentier. Oui. Il est charpentier, je l'ai vu. C'est vrai. J'ai vu sa charpente. T'as vu sa poutre? Vous m'avez rien dit, ça, c'est pas sympa. Non. Allez, je crois qu'il est temps de passer à la revue de presse des dessins humoristiques de la semaine. Et on commence avec les primaires au Parti Socialiste et ce dessin de Rice à la une de Charlie Hebdo. Regardez, et si Mitterrand revenait, c'est Ségolène Royal. Dans Le Canard enchaîné, Cabu lui revient sur la candidature de Jean-Pierre Chevènement. Et on voit Jospin qui dit à Chevènement: j'espère que tu vas pourrir la vie de Ségolène comme tu as pourri la mienne. La polémique autour de la vidéo pirate de Ségolène Royal que les profs ont pu voir sur Internet a inspiré ce dessin au dessinateur Faujour dans Le Parisien. On voit Ségolène qui dit pendant que les profs sont en train de regarder la vidéo sur Internet: voyez bien que les profs travaillent pas assez, ils passent tout leur temps sur Internet. Farce. Dans Charlie, il nous annonce le dernier coup bas de Dominique Strauss-Kahn et de Laurent Fabius avant le vote décisif de ce soir. C'est que c'est ce soir. Dernier coup bas au PS. Et on voit Fabius qui dit à DSK: j'ai une vidéo où on la voit au lit avec François Hollande.
Le dessinateur Cabu, dans Le Canard Enchaîné, nous montre que le candidat Fabius a plus d'un tour dans son sac. Si je ne suis pas le candidat du PS, dit Fabius, je postulerai pour être le candidat de la gauche de la gauche. On passe au centre avec Luz dans Charlie Hebdo qui nous montre l'outsider des présidentielles 2007, Bayrou, qui peut créer la surprise. Le dessinateur Rhys dans Charlie Hebdo s'est également intéressé à l'affaire Clearstream puisque Michel Alliomarie a été entendu par les juges cette semaine. Le juge a entendu Madame Alliomarie pendant 12 heures et après il a été réformé P4 à sa sortie. Dieudonné est présent à la fête bleu-blanc-rouge du Front National au Bourget ce week-end. Ça nous donne ce dessin de Charbes, toujours dans Charlie Hebdo. On voit un militant du Front National apercevant Dieudonné qui dit « Il vient souiller notre antisémitisme » et un autre qui dit « La haine aux Français ». Ah, c'est bien. On passe à l'urgence écologique vue par Kerleroux dans Le Canard Enchaîné. Nicolas Hulot qui dit « L'idéal, ce serait un Nicolas Hulot par parti ». Dans Charlie Hebdo, le dessinateur Rhys nous confirme que le réchauffement de la planète est au centre de la campagne présidentielle. Regardez, on voit Madame Chirac dans un drôle d'état et le président qui fait « Hulot, faites quelque chose ». Écologie encore avec T-News dans Marianne. Faites un geste pour sauver la planète. Tous ensemble, tous ensemble. Tous. Direction les States avec Honoré dans Charlie Hebdo qui revient sur la défaite des républicains américains aux élections de mi-mandat et on voit George Bush qui fait même pas mal. Jean-Bernard, un commentaire sur Bush? Ce qui est intéressant, c'est ce qui va se passer maintenant. Mais bon, est-ce qu'ils vont arriver à sortir du... J'allais dire du Vietnam. Est-ce qu'ils vont arriver à sortir du bourbier irakien? On n'en sait rien. Ce qu'il y a, c'est qu'on vient de s'apercevoir qu'il a menti une fois de plus, que c'est lui qui avait dit à la CIA comment il fallait interroger sous la torture les prisonniers. Ça vient de sortir aujourd'hui. On va commencer à en parler en France demain, je pense. Mais dans toute la presse américaine, on sait que c'est Bush qui a fait ça. Non, c'est une authentique crapule. Hein. C'est prouvé maintenant. Des nouvelles de Madonna maintenant, avec la polémique autour de son adoption. C'est Jules dans Charlie Hebdo qui signe ce dessin, adoption. Madonna attaquée, et on voit Madonna qui dit « J'aurais eu moins d'emmerdes avec un bébé congelé ». Le même dessinateur, Jules, nous emmène au Vatican, où le pape Benoît XVI a officiellement décidé, vous le savez, de réhabiliter la messe en latin. Et il s'explique, le pape, il dit « J'en avais marre qu'on me prenne pour grand corps malade ». Et on termine par un petit dessin de Philippe Gueluc dans VSD. Oh ben tiens. Entrepôt. Tu comprends? Ah, entrepôt. Ah, entrepôt. Ah, c'est bien. C'est le journaliste, écrivain et historien Gonzague Saint-Brie que nous allons maintenant accueillir puisqu'il vient tout juste de publier Lafayette aux éditions Télémaque, une biographie du célèbre général français. Biographie faite pour rappeler à ceux qui l'ignoreraient que Lafayette n'est pas l'inventeur des galeries du même nom, mais un brillant militaire qui aida les Américains à se libérer du joug anglais à la fin du XVIIIe siècle. L'année prochaine, nous fêterons l'anniversaire des 250 ans de la naissance du général Lafayette. Toutes les occasions sont bonnes. Alors parlons ensemble dès maintenant de cette biographie avec Gonzague Saint-Brie. Bienvenue. C'est écrit sur le bandeau d'ailleurs, hein. 1757-2007, il y a 250 ans, la liberté. En même temps, vous n'avez peut-être pas prévu de sortir ce bouquin exprès pour le 250e anniversaire, parce que je crois savoir, est-ce vrai, ça me paraît tellement étonnant, que ça fait 20 ans que vous travaillez là-dessus. Ah, parce qu'il y a 20 ans, j'étais dans le salon vert de la Maison-Blanche avec Ronald Reagan, et je m'approche de lui et je lui dis... You are an Aquarius, you will be happy for 9 years now. Vous êtes du Verseau, vous allez être heureux pour 9 ans. Là, il me dit, come and tell that to Nancy. Et à ce moment-là, j'ai commencé une amitié avec Reagan et on a parlé de Lafayette. Et c'est un type extraordinaire, ce Lafayette, parce qu'il était orphelin et milliardaire à 14 ans. Il était marié à 16 ans à la femme de sa vie. Il était major général dans l'armée des États-Unis à 19 ans. Il était le héros des deux mondes à 20 ans. Et il a vécu jusqu'à 77 ans, c'est un personnage de Tintin. Et 40 ans après avoir été le héros des deux mondes, il est revenu en Amérique. Et les gens croyaient qu'il l'avait vu dans un film ou dans le passé.
ils ont vu réapparaître Lafayette. Et là, il y avait un garçon de 15 ans qui était Edgar Allan Poe, qui, en revoyant Lafayette, a cru halluciner. Belle histoire, belle vie que celle de Lafayette. C'était important de publier ce livre. Il y a eu déjà des biographies sur Lafayette. Alors, la vôtre, en quoi elle est différente? Ah, parce que moi, je n'aime pas les biographies où on dit « il est né là, il a dormi ici, il est mort là ». J'aime que ça soit animé. Donc je prends un rédacteur en chef par chapitre et il y a plein de personnages extraordinaires autour de Lafayette. Il y a Beaumarchais qui est un trafiquant d'armes. Il y a Choderlos de Laclos, le romancier. Par exemple, c'est Choderlos de Laclos qui, pour le duc d'Orléans, organise la marche sur Versailles, la marche des femmes sur Versailles. On va envoyer des femmes, parce que comme ça, les gardes françaises ne leur tireront pas dessus. Mais les femmes, elles ont peur, alors elles disent, il faudrait mettre devant nous des hommes, mais alors des hommes déguisés en femmes. Ça veut dire que c'est une bande de travelots qui arrive devant les grilles de Versailles, le jour de la marche sur Versailles. Non, bah écoutez aussi Christine Bravo, qui je crois a adoré votre livre. Alors moi, je vais vous dire, moi je suis historienne de formation, j'ai fait des études à Paris 7, donc j'ai beaucoup lu sur Lafayette, et j'adore l'histoire, j'adore les bios de personnages historiques. Je ne vais pas parler de ce Lafayette flamboyant avec la conquête et tout, je vais laisser ça à mes copains. Moi, je réponds à la question de Lolo, en quoi cette biographie est hors normes. Beaucoup de biographes de Lafayette nous ont dépeint la grande épopée Lafayette à partir du moment où il a traversé les mers. Là, on a le personnage qui est en devenir, qui tombe amoureux d'une jeune fille qui s'appelle Adrienne, qu'il va aimer passionnément, même s'il la trompe un petit peu, parce qu'il faut tromper à l'époque. D'ailleurs, ça m'a agacé votre livre. Je me suis rendu compte que je m'étais trompée de siècle. Et pour la première fois, j'ai regretté d'être trop jeune, si vous voulez que je vous dise. Parce que je me suis dit qu'on se faisait bien chier en 2006 et que dans ce siècle des Lumières, on peut cocufier, c'est permis, on peut être cocu, on trouve ça normal. On est libéré de toutes ces espèces de pesanteurs qu'on a maintenant dans cette vie d'aujourd'hui. Alors Gonzague Saint-Brice raconte formidablement bien ça, et aussi la naissance d'un grand roi qui est Louis XVI. C'est un livre qui sent. C'est-à-dire, vous sentez les odeurs de Versailles, la puanteur de Louis XV qui crève avec la variole et les croûtes, et en même temps, le parfum de grâce avec les fragonards. Et voilà, et bravo Gonzague, c'est superbe. Alors là, quelle belle critique! C'est ça le talent de Gonzague. C'est tout à fait vrai. Ce Louis XVI, c'est un type... Bon, il a tous ses défauts. Il est passionné par la géographie. Oui, il est chouette. Il se planque dans Versailles, dans la chambre des cartes. Il a les maps-mondes de Buache. Il regarde le monde sur les maps-mondes. Et il est tellement timide qu'il monte sur le toit du château de Versailles pour regarder les invités avec une longue vue. Ça l'emmerde de voir tous ces gens. Et c'est moderne. Il a une idée formidable. Il y a La Pérouse qui vient le voir, qui veut faire cette expédition de La Pérouse. À quelle heure La Pérouse Je sais pas pourquoi je m'emmerde à être intellectuel. Jean-Bernard Hébert, un mot sur Gonzague Saint-Brice. Moi, j'ai lu ça, j'ai trouvé ça passionnant, mais j'ai surtout trouvé ça non pas comme un livre historique, ce que c'est, mais moi, j'ai fait le rapport avec ce qui se passe aujourd'hui. Et en fait, j'ai eu l'impression de voir la caméra d'un réalisateur sublime en train de filmer un loft d'aujourd'hui. Alors, il y a plein de personnages qui sont tous en train de se faire des coups tordus absolument incroyables. Je veux dire, ce sont... Et alors, le vrai nom de Lafayette, c'est Joseph-Paul Roch Yves Gilbert Mottier de Lafayette, baron de Saint-Romain de Vissac. Gilbert. Ça vous rappelle pas Dominique Galouzeau de Villepin? Enfin, c'est le même truc. Et lui, c'est une espèce... Lui, Lafayette, c'est une espèce de Bernard Kouchner d'aujourd'hui. Exactement. C'est-à-dire que c'est un homme politique extraordinaire qui représente tout ce que l'on voudrait que soient les politiques, mais justement, comme il n'est pas politique, il n'y arrive jamais, alors que c'est ce à quoi nous aspirons. C'est un vrai démocrate, c'est un vrai républicain, c'est un vrai esprit ouvert, tout ce qu'est Bernard Kouchner, et Lafayette, il va en Amérique, il se fait même ramener d'Amérique, de la terre américaine, pour ramener ça en France, pour se faire enterrer dans de la terre américaine, dans un cimetière français. Le type est génial, il va aux États-Unis, il devient pote avec Washington, avec tout le monde, c'est-à-dire que si vous rapportez ça à la France, je ne vais pas mettre les noms, mais c'est à chaque fois que vous dites en France, tiens, les Américains, ils ont fait un truc qui est pas mal. Comment, salaud, tu es pro-américain? Non, c'est le pays de la démocratie, avec ses erreurs catastrophiques, c'est OK, c'est vomi de temps en temps, comme George Bush, mais c'est quand même le pays de la démocratie, et on voit que la France, elle, n'a pas changé.
depuis Louis XVI, Louis XV, on est toujours dans les intrigues, dans les clear streams, dans les je te fais des croche-pieds, dans les je passe à la télé, j'annonce avant, je ne dis pas, je mens. Adieu Marie, il y a deux jours, oh, j'ai tout oublié, ils sont tous tout oubliés. L'autre, il a perdu ses carnets. Donc, c'est la transposition de ce qui se passait à l'époque de Lafayette. Aujourd'hui, j'ai trouvé ça passionnant. Gueuluc. Je vais vous demander, c'est 1757, est-ce que je me trompe ou Mozart est né un an plus tôt, à peu près? Comment se fait-il que ces siècles-là aient porté des personnages de cette dimension planétaire, quasi déique, et qu'on ne peut plus en faire maintenant? Il n'y a plus le moule. Non, à part Laurent Ruquier, évidemment, mais voilà, le moule semble cassé. Des gens qui avaient cette culture de Mozart aujourd'hui. Encore. Mais non. On va aller sur les étoiles. Si ça vous écorche pas la gueule, j'ai posé la question à monsieur de Saint-Brie. Alors, ce qui est, d'abord, c'est une époque complètement cosmopolite, et c'est l'époque des Lumières, ça veut dire l'époque des libertés. Il faut quand même dire la vérité, ce sont les aristocrates qui ont fait la Révolution. C'est Lafayette qui a inventé les droits de l'homme, c'est le vicomte de Noailles qui fait l'abolition des privilèges, et c'est Clermont-Tonnerre qui défend les Juifs. Donc, si vous voulez, la vraie Révolution, la belle Révolution, que les Français aiment, c'est 1789-1790. La séparation des pouvoirs, tout est fait en 1790. Très bien. Je vais donner la parole à celle qu'on appelle Lafayette. Donc, c'est peut-être une descendante de Lafayette, allez savoir. Lafayette qui a plein de questions à vous poser. Oui, mais... Le problème, c'est que je connaissais très très peu, et je trouve qu'on connaît très peu le personnage de Lafayette par rapport à d'autres grandes personnes de l'histoire. Je le trouve qu'il n'a pas le succès. Les grands personnages, vous voulez dire, hein, plutôt que les grandes personnes. J'ai dit quoi? Les grands personnages, pardon. Et je trouve cette personne d'une incroyable modernité. Et alors, vous avez tendance à dire dans votre récit qu'il aurait un peu raté son virage en ne restant pas aux États-Unis. Vous pensez qu'il aurait été peut-être plus adulé s'il avait décidé de rester aux États-Unis plutôt que de revenir en France? C'est vrai, il est vraiment moderne parce que c'est un homme des médias avant les médias, et il est passionné par la popularité. Il préfère la popularité au pouvoir. Il aurait pu être notre premier président de la République, mais il enveloppe Louis-Philippe dans le drapeau pour qu'il devienne roi des Français. Et il aurait dû être le premier président de la République. Il adore le sourire de la multitude, la popularité. Stevie. Oh, moi, je l'ai picoré, ce livre. Picoré. C'est que j'arrêtais pas. Dès que j'avais 3 minutes, je sais pas, je faisais un truc, hop, je me mettais dedans, puis je refermais, puis je me remettais dedans. Mais c'est hyper intéressant comme livre. Et comme le dit Elsa, effectivement, je savais pas tout ça sur lui. J'ai appris plein de choses. Il faudra acheter les autres. Après, vous achetez Le Printemps, Le BHV. J'ai appris plein de choses. C'est un personnage français, un grand personnage français qui, ma foi, en France, n'a pas la reconnaissance par rapport à celle des États-Unis. Aux États-Unis, par exemple, il a 40 villes qui portent son nom, il a 7 comtés et même une montagne qui porte son nom. C'est vraiment pourquoi j'ai fait ce livre, parce que je trouve que c'est une injustice totale. Ce type n'est pas compris parce qu'il déchire les étiquettes. Par exemple, les gens de la noblesse détestent Lafayette. Oui, il a essayé de mettre le roi de côté. Alors que la fille de Louis XVI dit « Si mes parents avaient écouté M. de Lafayette, il serait encore vivant. » Vandel, vous écoutez avec passion, évidemment, Gonzague Saint-Brie. Vous l'avez regardé lors de ses différentes interventions télévisuelles. Voici le zapping de Philippe Vandel. Et je l'ai regardé avec passion. Gonzague, est-ce que vous connaissez le syndrome de l'extraordinaire? Non. Il est extraordinaire qu'une chose soit extraordinaire. Et c'est grâce à ça que les scientifiques ont découvert les trous noirs. Quand un événement extraordinaire se produisait souvent, ils se sont dit « donc c'est ordinaire, donc on va en chercher la cause ». Et vous, il y a un mot que vous adorez, et vous allez voir, c'est extraordinaire. Extraordinaire. Chloé a une maturité extraordinaire. Il y avait une vieille fille extraordinaire. Il y a l'histoire extraordinaire avec Chopin. Et vous savez, ce qui est extraordinaire, c'est cette amitié. Sa beauté qui est extraordinaire. Ce qui est extraordinaire, c'est que c'est un jour extraordinaire. Il s'est passé quelque chose. Une fête extraordinaire. C'est extraordinaire. Je le trouve extraordinaire. Là, je me moque. Remarqué, ouais. Ça. On vous l'avait déjà dit. Non. Là, je me moque. Là, je me moque. Mais en réalité, j'ai jamais entendu parler quelqu'un comme vous à la télévision. Et c'est fascinant, la fascination que vous exercez sur votre auditoire. Même Jean-Luc Delarue ou François Nourricier, qui en ont vu passer, étaient bluffés. Et alors, les femmes sont bluffées quand vous passez à la télé. J'ai fait un montage, je m'adresse aux téléspectateurs. N'écoutez pas ce que dit Gonzague Saint-Brie, mais regardez le regard des femmes. Un combat de cette nature, il me fait horreur. J'aime mieux vous voir passer à l'ennemi. Bon, ça, c'est la première chose. Ensuite, quand elle est à Venise avec Musset, Chopin lui plaît.
quand Chopin la voit pour la première fois, c'est pas du tout le type de femme qu'il aime. En front de mer, à Brighton. Elle a 17 ans maintenant, 18 ans. Et elle veut éprouver son charme. Ce n'est qu'une adaptation de Così van tutte. Voilà. Les vraies grandes amours, c'est toujours après 40 ans. À quel point je fais mytho. Ah oui, c'est fantastique. Nous, on fait tout ça, Philippe. Vous n'avez pas d'histoire, elle vous regarde comme ça, ou est-ce que vous les ennuyez prodigieusement? Prodigieusement. Alors, Colette disait... Colette disait, qu'en plus, vous n'employez pas des mots compliqués. Colette disait... Colette. Elle disait, il faut écrire, comme personne, mais avec les mots de tout le monde. Et alors, pourquoi je donne cette citation? Parce que vous, ne parlez pas avec les mots du premier venu. Et vous citez vos sources, Gonzague, justement, citation. Vous savez, Cocteau a dit « Un bon livre, c'est ma foison des points d'interrogation ». Victor Hugo a dit « Qui est vieux tôt sera longtemps jeune ». Jennifer a dit une phrase fantastique, elle a dit « Je ne connais pas encore l'amour ». Il y a une phrase de Baudelaire qui dit, je ne veux pas être prétentieux par cette phrase de Baudelaire, « Le génie, c'est l'enfance retrouvée ». C'est Baudelaire qui a dit « L'enfance, c'est le génie retrouvé ». Cette parole désespérée, affolée, d'Honoré de Balzac qui dit, mais... Ou encore cette phrase d'Anatole France, Saint-Exupéry disait, et ça m'a fait penser à cette phrase de Proust, mais comme l'a dit Sacha Guitry, pour tomber sur une phrase de Flaubert qui dit, et ce livre commence par cette phrase de Gorky, et ça se termine sur une phrase de Léonard, écris ce qu'est l'âme. Fabrice Lucchini est battu. Gonzague Saint-Brie publie donc Lafayette aux éditions Télémac. Je ne connais pas bien ces éditions. Ah, ça, c'est formidable. C'est un jeune éditeur très brillant qui s'appelle Stéphane Vatelet. Oui. Et si vous permettez, je terminerai par une phrase qui est au début de ce livre sur Lafayette. Une citation. Allez-y. Et elle va pour Stéphane Vatelet. Elle va pour toute l'équipe d'ici. Et elle va pour Lafayette. Un homme qui marche à un autre pas, c'est qu'il entend un autre tambour. Lafayette, Gonzague Saint-Brie aux éditions Télémac. Merci beaucoup. Afin d'améliorer les conditions de détention dans les prisons françaises, des états généraux ont été organisés et permis à tous les acteurs du monde pénitentiaire d'exprimer leurs griefs. Hier a eu lieu la journée de clôture de ces états généraux. Et si tout le monde s'accorde à dire que les conditions de vie dans les prisons sont la plupart du temps indignes, cette vaste opération de consultation va pouvoir permettre d'améliorer, on l'espère en tout cas, la situation. À l'initiative de l'Observatoire international des prisons, un manifeste pour la réforme de la condition pénitentiaire a été présenté hier. Les choses risquent donc de bouger en prison. Et pour en parler ensemble, accueillons le président de cet Observatoire international des prisons, M. Gabriel Muesca. Bonjour, bienvenue. Vous avez publié La Nuque Raide, préfacée par Gilles Perrault chez Philippe Rey. Et si vous êtes venu nous voir aujourd'hui, c'est non pas pour raconter votre propre histoire, mais pour nous en dire un peu plus sur ce rapport qui a été rendu, sur ces conditions de vie, est-ce qu'on peut appeler ça de vie d'ailleurs, dans les prisons françaises. C'est un sujet qui revient assez régulièrement, il faut le dire, un sujet qui intéresse beaucoup de politiques. On a reçu il n'y a pas longtemps dans une émission Christine Boutin, on sait que c'est un de ses chevaux de bataille, on va dire. Mais en tout cas, il y a du boulot à faire en France. La France serait vraiment à la traîne parmi les autres pays du monde entier, mais voire même pays européens. Certes, on a démontré par A plus B que la France est à ce niveau-là un des mauvais élèves, malheureusement. La honte de la République. La honte de la République, ce n'est pas un excès de langage, c'est une vérité aujourd'hui qui a encore été démontrée hier à la fin, lors de la clôture des états généraux à conditions pénitentiaires. Et nous avons vu hier tout ce qui existe sur le plan carcéral, judiciaire, qui, d'une même voix, s'est élevé contre la réalité carcérale en France et qui a demandé à ceux qui, demain, en 2007, prétendront être président ou présidente de la République, de prendre à bras le corps ce problème, un problème qui est ancien, j'allais dire, depuis 200 ans, depuis 200 ans qu'existe la prison. Les gens dénoncent le fait que c'est un lieu attentatoire à la dignité des personnes détenues. Comment s'est faite cette enquête? Alors, vous avez interrogé les prisonniers, les surveillants de prison aussi. Oui. Comment ça s'est passé? Qui a répondu? Avec BVA, on a organisé un questionnaire qui a été envoyé à l'ensemble des acteurs du monde judiciaire et carcéral. Ça représente près de 200 000 personnes en France. Nous avons eu
du côté des prisonniers, 25% de retour. C'est quelque pas chose, beaucoup, moi, je trouve. C'est historique. Il faut savoir que BVA, lorsqu'ils envoient un questionnaire auprès des Français et des Françaises, le maximum de retour, c'est de 5 à 10%. Ouais, là, nous avons 25%. Oui, mais je suis d'accord avec Laurent. Les gens, ils travaillent, ils ont une famille. En prison, pardon de dire ça aussi vulgairement, mais ils n'ont que ça à faire. Oui, à part que ceux qui connaissent la prison savent très bien que les prisonniers, déjà, n'ont pas droit à la parole, c'est un fait. Deuxième chose, se méfient de tout ce qui peut être un semblant de quelque chose d'officiel, de quelque chose d'institutionnel. Oui, généralement, les prisonniers, une enquête, ils n'aiment pas ça. Oui, de façon générale, effectivement. Mais il faut dire que lorsqu'on a vu ce nombre de gens qui ont répondu du fond des prisons, le directeur de BVA m'a dit « Est-ce que le dernier lieu de la citoyenneté en France ne serait pas le fond des prisons ?» Vous, dans votre biographie, à vous raconter, vous avez fait 16 ans hein, de prison. 16 ans en 17 tout. Ans. 17 ans même, 17 ans. Pas d'un seul coup, parce qu'il y a eu une évasion entre-temps. Oui. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'évasions encore. Moi, j'ai l'impression. Il y a depuis 10 ans de moins en moins d'évasions, ce qui démontre bien que les prisons françaises sont de plus en plus sûres. Et évidemment, ça a une logique, ça a une explication, c'est que l'administration pénitentiaire met 9 dixièmes de ses moyens sur la politique sécuritaire de l'établissement, des établissements pénitentiaires. Et le problème, il est bien là. C'est que la mission de l'administration pénitentiaire, c'est aussi aider à la réinsertion des gens qui passent en prison. Et là, on voit, et les chiffres sont là pour, comme juge, il n'y a qu'un dixième de l'argent qui est mis en prison qui est consacré à la réinsertion. Ce qui explique, évidemment, qu'il y ait un tel désastre en matière de réinsertion. On va préciser, évidemment, que ce qu'il a fait ces années de prison, c'était en tant que membre d'Iparretarac, la fameuse organisation séparatiste basque, et que vous avez été arrêté à l'époque. C'était dans quelle année, ça? C'était au début des années 80. Début des années 80. Et c'est à l'intérieur des prisons que vous avez eu cette idée de dire quand je sortirai, il faut que je m'occupe de ce qui se passe à l'intérieur. Vous savez, ce qui a généré mon envie de lutter au Pays Basque lorsque j'étais adolescent, c'était un refus des injustices que je subissais en tant qu'ouvrier, en tant que basque. Et quand je suis entré en prison, en fait, l'injustice était à tout bout de pas. Il faut rappeler, la prison, c'est la peine du pauvre. Ce sont les gens du tiers-monde qui sont incarcérés dans les prisons françaises. Et forcément, ce que j'ai vu et entendu en permanence en prison, ça n'a fait que nourrir ma révolte, nourrir mon militantisme, ce qui explique qu'après 17 ans de prison, je suis sorti relativement debout, relativement bien, et que je suis aujourd'hui à la tête de l'Observatoire. Vous avez connu le mitard. Ça, c'est... Après, je vais donner la parole à mes camarades. Et le mitard, pour rappeler ce que c'est exactement et quelles sont les conditions, mais vous dites que ça, c'est quelque chose qu'il faudrait changer. Oui, c'est quelque chose qui est infrahumain. Dans chaque établissement pénitentiaire, vous avez un lieu qui s'appelle le mitard, qui est la cellule de punition. On peut y rester 45 jours. C'est le record d'Europe, là aussi, de durée en cellule de punition. Il faut savoir que dans ce lieu-là, on se suicide 7 fois plus qu'en détention dite normale. Et déjà, en détention dite normale, on se suicide 7 fois plus que dans le monde extérieur. Donc ça fait 49 fois plus que dans le monde extérieur. Tout à fait. Et si nous avions un garde des Sceaux qui serait animé d'un minimum d'humanité, je pense que demain matin, il prononcerait l'abolition de cet outil barbare qui est tellement suicidogène qu'est le mitard. Christine, bravo. Alors, ce que je vais dire, c'est que moi, j'ai été très proche de quelqu'un qui est sorti de prison il n'y a pas très longtemps, mais qui a fait 10 ans. Et je vous pose juste une question. Il me disait toujours, je n'ai besoin de rien, apporte-moi des cigarettes, avec ça, je peux acheter tout. Alors, ce que je veux savoir, et je sais qu'il pouvait se procurer n'importe quelle drogue, n'importe quel alcool, n'importe quoi, je veux savoir... Qui fait rentrer tout ça dans les prisons? Est-ce que ce sont les gardiens ou est-ce que ce sont les gens extérieurs qui se planquent? Voilà, moi je veux que vous répondiez à ça. Il y a X façons de faire rentrer n'importe quoi dans les prisons. Mais X façons, vous ne me répondez pas. Il faut le dire, en France, des gens qui, tous les ans, personnel de l'administration pénitentiaire, sont radiés de leur poste, voire parfois condamnés, parce qu'ils rentrent des choses en prison. D'accord. Alors évidemment, ce n'est pas la généralité, on ne va pas mettre tout le monde dans le même sac, mais il est un fait établi aujourd'hui qu'il y a aussi des personnels des pénitentiaires qui s'adonnent à des trafics. C'est quand même dramatique. Moi, ce que je ne comprends pas, et c'est le gros problème des prisons, c'est travailler l'intégration. Parce que les gens qui vont en prison ressortent plus délinquants qui ne l'était au départ. Donc il y a un problème, il y a un malaise quelque part. Donc pourquoi? D'ailleurs, j'ai trouvé ça bien, j'ai vu ça dans le JT de France 2. Par exemple, c'était une prison pour femmes en France qui travaille pour l'INA, qui numérise, en fin de compte, toutes les archives de l'INA pour éviter qu'elles soient perdues définitivement. Je trouve ça bien de donner du travail à des gens qui sont en prison. Au moins, il se passe quelque chose. Être enfermé
Entre quatre murs, c'est pas possible. Au bout d'un moment, les gens pètent les plombs. On laisse répondre Monsieur Mosca. C'est bien l'un des problèmes. C'est que le pan de la réinsertion, c'est-à-dire l'idée que ces gens-là qui passent par la case prison sont aussi condamnés, entre guillemets, à ressortir un jour de prison, eh bien, aujourd'hui, le fait est constaté que la majeure partie des gens qui passent par la case prison en sortent dans un état bien pire qu'il n'était avant d'intégrer la prison. Mais quand on sort de la prison, monsieur, excusez-moi, je vous coupe, parce qu'à un moment, il faut être lucide. Quand on sort de prison, voilà, vous avez fait... Pour les gens, on va voir comment ça se passe. Qu'est-ce que tu fais quand tu sors de prison? 80% des sortants de prison le sont en sortie sèche. C'est-à-dire que leur sortie n'est pas organisée. C'est-à-dire que l'administration, c'est-à-dire en fait nous-mêmes, on ne sait pas dans quelle mesure ces gens-là auront un toit le soir, auront les moyens légaux de vivre au sortir de la prison. C'est ce qui explique en grande partie eh bien, le phénomène de récidive. Et aujourd'hui, on peut dire que l'école de la récidive, c'est bien la prison. Aujourd'hui, avec nos impôts et en notre nom, parce que la justice est bien rendue en notre nom, nous nourrissons un outil totalement contre-productif et dangereux pour la société, pour nous, qui est la prison. Alors, moi, j'ai deux questions à vous poser. L'effet dissuasif de la prison, est-ce qu'il est... C'est zéro ? Zéro. Donc, d'accord, c'est ce qu'on dit. C'est ce qu'on a dit sur la peine de mort, puisque quand on a supprimé la peine de mort, il n'y a pas eu moins de crimes de sang. Il y a combien de personnes emprisonnées actuellement ? Aujourd'hui, 57 000 à peu près. 57 000. Là-dessus, combien de personnes ne sont pas dangereuses et pourraient être remises en liberté ? Parce que est-il utile de garder pendant des semaines, des mois, voire des années, des gens qui ne représentent aucun danger pour la sécurité d'autres ? Cette question, je la pose parce qu'elle est fondamentale, effectivement. Et lorsque je la pose à des cadres de l'administration pénitentiaire, donc des professionnels, des directeurs, ils me disent... peu ou prou, entre 1500 et 2500 personnes sont dangereuses. Ni vous ni moi n'avons envie de voir demain ces personnes dans la rue face à nous, face à nos enfants, nos petits-enfants. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je vous l'ai dit, 9 dixièmes des financements de l'administration pénitentiaire sont consacrés à la sécurisation, c'est-à-dire à répondre aux problèmes, j'allais dire, des évasions, de la dangerosité intérieure, etc. Et en fait, ça concerne entre 1500 et 2500 personnes. C'est 90% de budget. Et le reste, la grande masse des personnes détenues ne sont pas des gens dangereux. C'est des malades, c'est vrai, il y a beaucoup de malades. Beaucoup de malades. Et c'est vrai qu'un jour, j'espère, nous travaillons à ça, et de plus en plus de Français et de Françaises se rendent compte que la réponse responsable aux actes illégaux, parce que certes, ces gens ont commis des infractions, voire des crimes, il faut apporter d'autres formes de sanctions que la prison, qui est une sanction totalement... Les drogués, par exemple, est-ce que ça coûterait pas moins les drogués, est-ce que ça coûterait pas moins cher de les traiter par la Sécu plutôt que les mettre en taule pour le contribuable? Bien évidemment. Moi, je parle pour le contribuable. Aujourd'hui, là, on sait depuis de nombreuses années, parce que des recherches ont été faites, que non seulement on ne peut pas soigner des gens en prison, mais la prison est pathogène. Et oui. On crée de nouveaux malades en prison. Ils peuvent se droguer en prison. Et puis, il y a les autres délits, les délits financiers, évidemment, par exemple. Alors, parlons-en, parce qu'évidemment, c'est pas des gens qui sont dangereux dans la rue, ils vont pas nous égorger. Tout à fait. Mais il n'empêche qu'ils sont... Mais le coût social est beaucoup plus important de la part de ces gens-là que les petits délits. Une recherche a été faite... Alors, qu'est-ce qu'on peut en faire? Par exemple, ceux qui ont commis des délits financiers, plutôt que de les mettre en prison, parce que c'est vrai, après tout, c'est idiot. Ils nous menacent pas, ils sont pas dangereux physiquement. Qu'est-ce qu'on en fait aussi? On les fait venir comme public, parce qu'on peut dire, en fait, tous les gens présents, c'est des anciens taulards qu'on essaie de réinsérer dans la société. C'est vrai. Il faut les faire payer là où ça fait mal. Et c'est-à-dire qu'il faut s'attaquer à leurs biens, leur empêcher d'avoir de l'argent à grande masse comme ils ont. Comme les gens responsables politiques qui, eux aussi, marchent sur la ligne jaune, eh bien, il faut leur faire mal là où ça fait mal. C'est-à-dire qu'on n'ait plus les moyens de voter pour eux. L'inéligibilité. Voilà. Tout à fait. Ouais. Jean-Bernard Hébé. Est-ce que vous seriez d'accord pour qu'il y ait un organisme de surveillance indépendant de l'administration qui vienne surveiller ce qui se passe dans les prisons? Tout à fait. Et ça a été une des deux grandes revendications de la journée des états généraux de la condition pénitentiaire. La première étant faire une loi pénitentiaire, c'est-à-dire qu'on connaisse exactement les règles du jeu qui régissent ce milieu-là, le milieu des prisons. Et la deuxième grande demande, elle rejoint votre souci, c'est la création d'un contrôleur général indépendant des prisons, un homme indépendant du gouvernement, avec son service évidemment, qui serait de jour et comme de nuit en charge de vérifier ce qui se passe là-dedans, c'est-à-dire... Primo, est-ce que la loi est bien respectée, ce qui aujourd'hui est démontré comme négatif? Et deuxième chose, est-ce que l'administration pénitentiaire a les moyens de sa politique? Elsa? Oui, moi hier soir j'ai eu l'occasion de regarder un excellent reportage sur une chaîne concurrente justement qui décrivait le milieu carcéral. Et c'est vrai qu'on ne peut pas être insensible aux conditions de détention. Quand on parle des toilettes, faire ses besoins devant les personnes qui partagent votre chambre, je pense que
c'est quelque chose d'extrêmement humiliant. Il y a une femme qui disait que pendant ces périodes, elle n'avait pas ni d'accès aux serviettes périodiques, ni de tampons, etc. Enfin, vraiment, c'était très, très difficile à entendre. Mais il y a quand même quelque chose qui me gêne dans votre démarche. Je vais vraiment endosser le mauvais rôle, mais c'est pour que vous puissiez me répondre. Ce qui me gêne, c'est que les personnes qui sont généralement en prison sont des personnes qui n'ont pas respecté les règles. Et une fois arrivées en prison, et si je vous écoute, à ce moment-là, vous voulez qu'on respecte certaines règles. Bah oui, c'est normal. OK. Alors, vous ne trouvez pas la démarche? Pourquoi est-ce qu'on ne les respecte pas tout simplement avant? Des jeunes qui passent en prison, nous serions, la société, en droit d'exiger de leur part que lorsqu'ils sortent de prison, donc qu'ils retrouvent le corps social, qu'ils respectent la loi, et j'allais dire même qu'ils aient une attitude fraternelle à l'égard de nous. Le problème, c'est que ces gens-là, qui vivent la prison aujourd'hui, tous, je dis bien tous, les gens qui passent en prison aujourd'hui en France, vivent chaque instant comme un instant d'humiliation. Et aujourd'hui, les gens qui sont en prison se voient touchés dans leur dignité, et c'est ça qui est le plus grave. Et hier, M. Badinter, en premier ancien garde des Sceaux, a dit qu'il y a une limite à ne pas dépasser, qui malheureusement aujourd'hui est quotidienne. Ne touchez pas la dignité des personnes détenues, parce que ces gens-là, au sortir de la prison, évidemment, ils seront nourris par la haine et un désir de vengeance. Donc, nous, la société, nous sommes les grands perdants. Il faudrait enfin, que nous comprenions tout ça et que les prisons deviennent à la hauteur des enjeux de société et surtout dignes et bien de notre République. La nuque raide, c'est le livre de Gabriel Mouaska où il raconte son parcours depuis son militantisme au sein des séparatistes BAC jusqu'à ses conditions de détention en prison pendant 16-17 ans et jusqu'à aujourd'hui maintenant où il est président de l'Observatoire international des prisons. C'était la raison pour laquelle il venait nous parler de ce sujet aujourd'hui. Merci à vous. Merci à vous tous. Il y a très exactement 100 ans, et oui, c'est un anniversaire, 100 ans, le 15 de France de rugby rencontrait pour la première fois de son histoire les All Blacks. À l'époque, les Néo-Zélandais nous avaient écrasés, et c'est certainement pour que se perpétue la tradition que la Nouvelle-Zélande a pris un malin plaisir à nous battre encore samedi dernier, 47-3, c'était à Lyon. Heureusement, il y aura une revanche dans 2 jours à Paris au Stade de France, ainsi qu'une série d'événements dans tout le pays pour fêter ce centenaire du 15 du Coq et peut-être fêter aussi la victoire des Bleus contre les All Blacks samedi soir. On a le droit d'y croire. En tout cas, pour parler ensemble de cette grande fête de l'Ovalie, accueillons l'actuel entraîneur du Stade français, un ancien grand demi de mêlée de l'équipe de France, justement. Lui, il les a battus, les Blacks. Voici Fabien Galthié. Bonsoir, bienvenue. Temps de rugby, c'est vrai qu'ils sont pas imbattables, les All Blacks. La preuve, vous les avez battus. Ouais, pas tout seul, mais avec 14 autres en tout cas. Il nous est arrivé de les battre, effectivement. Mais attendez, on prendrait l'équipe actuelle des Français contre l'équipe de l'époque des Néo-Zélandais, on leur fout une fameuse gamelle. Mais c'est vrai que l'Omu est en moins bon état aujourd'hui. On va regarder la bande-annonce du centenaire du 15 de France sur France 2, c'est samedi soir. Cent ans de bêtes noires. 100 ans de belles bleues. Samedi soir, en route pour un nouveau siècle de légende. Pour fêter son centenaire face aux Blacks, le 15 de France souffle les bougies de la revanche. En direct à 20h50 sur France 2. C'est vous, Fabien Galthié, qui allez commenter ce second test match. Samedi soir à partir de 20h50, tout ce que je vous demande, c'est de rendre l'antenne à l'heure parce qu'on n'est pas couché derrière. Mais en tout cas, faites la fête, puis essayez. Qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'ils gagnent, nos Français? Prier. Alors, c'est vrai que c'est difficile. Aujourd'hui, les All Blacks ont atteint un niveau... Bon, ils sont toujours très bons. Et c'est vrai que psychologiquement, ils ont pris le dessus sur nous le week-end dernier. Mais vous savez, les Anglais disent souvent qu'un rugby week is a long week. Ça veut dire qu'en une semaine, il peut se passer des choses. Et je suis persuadé que les Français vont réagir. Ils ont été touchés dans leur orgueil. On a été touchés dans notre orgueil. Parce qu'il faut être solidaire dans les moments difficiles comme dans les bons moments. Est-ce que finalement, c'est ça la question que je me pose, est-ce que le rugby de 2006 est très différent du rugby de 1906? Et là, je ne vous parle pas All Blacks français, je vous parle de ce sport. Mais je trouve qu'il est meilleur, il est plus beau, il est meilleur. Les joueurs sont plus adroits, plus techniques. Voilà. Il y a plus de jeux, ça va plus vite, il y a plus de puissance. Mais j'aime beaucoup regarder les vieilles images, parce que c'est comme quand on regarde Fangio et aujourd'hui on regarde Schumacher, c'est la même chose. Non, mais c'est évident, de toute façon, parce qu'à l'époque, tu prends juste un homme, quelle que soit sa profession, à l'époque,
l'époque, ils étaient élégants. Bonjour, cher monsieur, aujourd'hui. Eh, ça va, mon pote. Ils sont plus... Avant, ils étaient plus élégants dans la façon, je pense. Non, ça dépend des mêlées, il y avait moins de mains qui traînaient. Non, je sais pas. Si on veut comparer les deux équipes, les Français et les All Blacks, si on prend les unités, si on prend chaque joueur et si on calcule, je ne sais pas, en kilos de muscles, c'est en pareil. Puissance, c'est est-ce que c'est pareil, pas qui pèse pareil. J'ai une idée. Attends, c'est parce que ça m'a moi je connais, c'est la même chose. Mais je veux dire, par exemple, mes joueurs, enfin, avec mon équipe, avec l'équipe du Stade Français, on a passé une journée avec les All Blacks. Et les joueurs qui ne sont pas internationaux, puisque tous les internationaux sont partis en ce moment, puisqu'il y a les matchs internationaux, donc c'est les joueurs plutôt des jeunes. On a fait une photo avec les All Blacks et on a mélangé les maillots, les joueurs du Stade Français. Et alors les All Blacks se sont mis torse nu pour faire la photo, pour mettre le maillot des All Blacks. Et les joueurs étaient surpris parce qu'effectivement, les physiques sont les mêmes. À quelques différences près, c'est vrai qu'ils sont athlétiques, mais il n'y a pas une différence majeure, il ne faut alors, pas exagérer. Où est la différence ? Ils ont du talent. Ils sont dopés ? Non, mais c'est une équipe. D'abord, ils ne gagnent pas tout le temps. Attention, Ils gagnent de façon écrasante. Non, mais alors, nous pourquoi aussi, on gagne de temps en temps. On gagne aussi. Il ne faut pas généraliser, on a perdu le week-end dernier, mais. Ils ne gagnent pas tout le temps, mais ils sont très bons. Il y a une forte tradition chez eux de rugby. C'est une passion exacerbée. Jean-Bernard, je préfère le rugby au football, parce que je trouve que dans l'histoire, les gens qui ont commenté le rugby étaient plus intéressants. Et puis, je sais pas, il y avait les frères Albaladejo. Puis j'aimais bien l'idée de la troisième partie. Je les croisais dans les boîtes de nuit. Les frères Spanghero, vous voyez. Spanghero, voilà, mais troisième mi-temps, tout ça. Déjà aussi, c'était, il y avait toute une culture que j'aimais bien. Mais en lisant votre biographie, j'ai vu que vous avez été cassé je ne sais combien de fois. Combien de fois avez-vous été blessé ? Parce que tout le temps, on lit dans votre biographie, n'a pas pu participer car blessé, n'a pas été là car blessé. Disons que dans ce sport, la douleur physique fait partie de l'apprentissage des règles. Donc vous recommandez aux mamans d'envoyer leurs enfants à la danse. Je pense honnêtement que c'est un sport d'éducation. Et la genèse de ce sport, il a été inventé en Angleterre. Des gentlemen. Au collège, à l'université, parce qu'on s'est rendu compte que les fils d'Aristo étaient moins dissipés après avoir joué au rugby, respectaient les règles dans l'engagement. Donc c'est vrai que c'est un sport d'éducation. Voilà. Après, il n'y a pas de meilleur sport ou de sport moins bon. C'est un sport qui, à mon avis, structurant, j'ai envie de dire. Mais le rugby, d'abord, on appelle ça l'école de rugby et non pas je vais jouer au rugby. On va à l'école de rugby. Dans les petites catégories, c'est l'école de rugby. Il y a tout un comportement, il y a toute une éducation qui. Voilà. Donc, c'est un beau sport. Je ne peux pas en dire plus. C'est vrai qu'on s'y fait mal, mais dans la vie, des fois, on se fait mal. Donc, on apprend la douleur aussi sur le terrain, on apprend à la partager. En rugby, c'est juste dire quelque chose. J'aime tous les sports, mais en rugby, un joueur blessé, même durement blessé, il sort debout. D'accord ? Vous voyez ce que je veux dire ? Sauf si vraiment il est cuit, il sort sur une civière. Alors il y a d'autres sports où les mecs se font porter un civière et puis après ils rentrent. Ça c'est ça. Non, c'est pas possible. Mais non, mais alors juste ça, parce que là, si vous me cherchez, vous me trouvez. Donc ce que je veux dire, c'est que ça développe un certain une certaine fierté, un certain respect de l'arbitrage, des règles, de l'environnement. Et on peut dire qu'il y a un code d'honneur. Voilà. Vendée. Une toute petite question. Vous êtes également consultant pour le rugby pour France 2. Ouais. Comment vous jugez la décision de TF1 d'avoir engagé comme consultant pour le rugby Fabien Barthez ? Oui, ça c'est curieux alors. Bon, d'abord, Fabien Barthez, c'est bien parce que... Il était moins bon à la main sur la fin. Non, c'est... C'est un choix très... Curieux. Non, d'abord, Fabien Barthez, c'est quelqu'un de très bien, que je connais très bien, que j'apprécie. Mais pourquoi prendre un footballeur pour commenter le rugby ? C'est intéressant, c'est un choix... Mais vous savez, Léon Zitrone a bien commenté le patinage sur glace, il n'en a jamais fait. C'est vrai. Elsa, c'est une bonne réponse, hein. J'ai lu dans la presse que pendant que la France se remettait en question, les All Blacks étaient en train de s'éclater à Disneyland Paris. Ça vous a énervé ? C'est humiliant quand même comme nouvelle ou pas ? Non, pas du tout. Parce que quand on est une équipe en tournée, nous on fait la même chose quand on va dans l'hémisphère sud. Ben, comme on passe 4 ou 5 semaines en tournée, on en profite pour découvrir l'environnement. Alors c'est vrai que... Et puis se détendre. Donc on s'entraîne, mais il faut pouvoir aussi passer du bon temps ensemble. Et je pense que ça montre aussi un état d'esprit... ouvert, voilà. Ils sont bien dans leur peau, ils jouent bien. Quand on vit bien, on joue bien. Je pense qu'ils vivent bien, donc ils jouent bien. Ils vont affronter encore les petits Mickey. Samedi soir, à partir de 20h50, c'est sur France 2, commenté par Fabien Galthié et Jean Abeilloux, hein, la paire de France 2. Pour cet anniversaire, cette fête du rugby.
Alors, maintenant, on va vous donner un cadeau d'anniversaire puisque vous reprenez. Ah, non, attendez, vous allez en choisir un des trois. Pas les trois, soyez pas gourmand, Fabien Galthié. Après avoir écouté les conseils de Jean-Bernard Hébé et les quelques commentaires de ses amis, ou en tout cas proches, Jean-Bernard, la chronique musicale, les CD de la semaine. Et on commence par Lily Allen. C'est ce CD. Alors, Lily Allen, c'est de la musique pop. C'est-à-dire que ça fait pop comme les bulles que font les chewing-gums, si vous voulez. On dirait un gros malabar. C'est rose, c'est sucré, c'est gros dans la bouche, ça roule sous la langue, ça énerve les parents et ça fait des bulles. Mais si vous n'avez pas oublié de mettre des piles dans votre transistor, vous n'avez pas pu échapper à Lily Allen. On l'entend sur toutes les radios et dans l'ensemble, c'est formidable. On regarde. Chanson, c'est Smile de Lily Allen. L'album s'appelle All White Still. Alors, Lily Allen, Stevie. Écoutez, moi, j'adore. J'ai découvert cette musique en regardant la télévision parce que c'est la musique d'un fournisseur Internet. Donc, voilà, j'adore. Parfait. Merci, Stevie. Elsa Fayet. Je la trouve pétillante. En plus, elle n'est pas arrivée grâce à son père, qui est Keith Allen, qui aurait pu lui filer un petit coup de pouce. Elle est arrivée grâce au net, qui l'a plébiscité. Et voilà, je trouve ça formidable. C'est pétillant, c'est fin, c'est sympa. Je vous le mets de côté. Un autre, Razor Light, Jean-Bernard Hébé, In the Morning. C'est l'extrait de la chanson qu'on regarde d'abord ou vous faites un commentaire si avant? On peut commencer par le commentaire. C'est comme si les Clash avaient eu des enfants. Ah. Alors, je ne sais pas si vous avez aimé les Clash. Moi, j'ai adoré ce groupe. Et bien, ce sont les petits-enfants des Clash. Mais c'est vachement bien. C'est ce qu'il y a de mieux actuellement dans la pop anglaise ou dans le rock anglais. In the Morning, c'est la chanson extraite de l'album. Alors moi, j'aime bien juste physiquement. Vandel. C'est plutôt de la pop et à mon avis, ce sera oublié dans 2 ans, mais je trouve ça très agréable à entendre. Non, j'ai 20 Christine. Ans quand j'écoute ça, mais c'est le son de notre époque. Et voilà. Pareil, si Fabien ne choisit pas celui-là, je le piquerai bien après l'émission. Ah, on va voir lequel il choisira. Peut-être choisira-t-il Brigitte Fontaine. L'album s'appelle Libido. Je vous conseille le titre qui s'appelle Cubeni. Je le recommande notamment aux plus de 16 ans parce que c'est un petit chef-d'œuvre de l'hypertinage. L'album est beaucoup plus musical que les albums précédents et on peut apprécier avec encore plus de volupté l'univers déjanté de la Brigitte et les textes fabuleux de la Fontaine. Mais ça s'écoute. Ah oui, ça s'écoute. Non, ça se mange. Enfin, ça se mange pas, quoi, mais ça s'écoute. Ça, et ça s'écoute plutôt agréablement et ça se voit, le clip est une merveille. Regardons Brigitte Fontaine. Des bonnes sœurs font leur numéro. Dans un voilier sans gouvernail, des milliardaires américains s'en vont doucement vers le port avec des copains saoudiens qui vont très bien dans le décor. C'est vrai, le clip est très réussi. Christine. Bah, écoute, quand je la vois, moi, j'ai pas peur d'avoir 100 ans, voilà. Elle est belle, elle est sympa. Bah, elle a pas 100 ans, quand même. Non, quand mais faut pas aller trop loin. Elle est belle, faut pas déconner non plus. Non, mais j'aime mais c'est un personnage. Et oui, donc j'adore. Vandel. Moi, j'aime tout chez Brigitte Fontaine, sauf ses chansons, mais le clip est absolument magnifique. Non, moi, cette chanson, je la trouve plutôt musicale, agréable. Elle me gonfle un peu, mais oui, je trouve que c'est un peu une fausse folie, mais bon, voilà, la chanson est bien. Stevie. Moi, ce que j'aime bien aussi, c'est le début de cette chanson-là. On entend des lions rougir et... Rougir. Et là, on entend Brigitte qui donne un gros coup de fouet. Et la chanson commence. Non, elle est complètement délire, complètement out of the world. Et c'est pour ça qu'on l'aime. Alors, vous choisissez quoi, Fabien Galthié? Lequel des trois? Razor Light, Lily Allen ou Brigitte Fontaine? J'hésite entre Lily Allen et Razor Light. Mais j'ai déjà, moi, celui de Brigitte Fontaine, donc... Je vous le laisse. Bon, je prends Lily Allen. Voilà. Lily Allen pour Fabien Galthié. Merci. Voilà, c'est un petit cadeau. Merci. Vous l'écoutez avant le match, avant le commentaire. On écoute la musique dans les vestiaires avant les matchs. Oh non, vous passez Brigitte Fontaine aux All Blacks avant le match et ça peut les casser. Est-ce que vous êtes stressé maintenant avant de commenter un match? Non, pas du tout. Pas autant que quand vous êtes sur un terrain.
Non, quand je jouais, j'étais pas vraiment stressé, puisque quand on est acteur, on a une pression, mais une bonne pression. Commenter, non, je suis pas stressé. Entraîneur, je dois dire que j'ai parfois un peu de pression. Oui, c'est plus compliqué, évidemment, mais en même temps, si vous êtes numéro un du championnat en ce moment, tout va bien. Restez avec nous, vous allez jouer encore quelques minutes seulement au Qui a vu. Classement vite fait, c'est Pierre Bénichoux qui est en tête sur le plateau. C'est Jean-Bernard Hébé le mieux placé. Non, avec... non. Ah non, Wendel. Vous êtes trop petit, je vous vois pas. Numéro 2, Wendel. Jean-Bernard a fait une remontée fulgurante dans ce classement. Il est quatrième, Elsa est pas mal. Dans les profondeurs du classement, c'est Philippe Gueluc qui doit se réveiller avec 2501 points. J'ai perdu 500 points hier. Stevie, c'est pas terrible non plus. Bon, Christine, moyenne, générale, on va dire. Regardez les photos, vous allez peut-être pouvoir les aider, Fabien Galthié. Première photo. De qui s'agit-il? Ça vaut, allez, 1000 points. Ça, c'est un chanteur? Oui. Ah, ça sent... Calogero? Je sais pas. Non. Français? Non. Ah. Ça sent les uns anglais. Robbie Williams? Non. Jackson? Non. C'est un chanteur un peu marginal, un peu branché, non? C'est un peu un théo. Justin, français ou pas? Justin Timberlake. Allez, 2000 points. Renaud? Qui ça? Timberlake. Non. Justin. Son prénom? Justin. Non, c'est pas lui. Ah non. Justin von der Leyen. C'est pas, ça n'a rien à voir avec Justin. C'est américain? Non, il est français. Ah, il est français. C'est pas Renaud. De l'herbe. Je vais vous dire qu'on vient de parler de quelqu'un parmi les trois disques-là qui a un rapport très proche avec lui. Areski. Jacques Higelin. 2000 points pour Jean-Bernard Hébé. Qui a chanté en duo avec Brigitte Fontaine pendant longtemps. Eh oui. Photo suivante. Ah! Un cheval! Oui. Eh bien, ce cheval peut vous valoir 10 000 points. Oula! Il est à côté de Ségolène Royal, le cheval. Excellent! Parce qu'elle est à côté de lui. Gueluc. Deux points. Alors là, ça vaut encore plus. Ah. Parce que c'est pas facile. Ah. 20 000 points. Voilà. Regardez bien cette photo. Il manque... quelqu'un sur cette photo où on aperçoit Zinedine Zidane, ben oui. Son épouse Véronique Zidane et Jamel Debbouze. Il y a un quatrième personnage. Nadia. Non. Un homme, une femme? Un homme. Un footballeur? Sarkozy. Vincente et Lizarazu? Non. Un footballeur? Non. Un politique? Un comédien? Non. Ah bon? Un chanteur? Oui. Francis Lalanne? Oui, 20 000 points pour football. Ah. Mais si, c'est le seul chanteur c'est qui est copain avec Zidane. Mais si. Une autre photo, bravo Wendel. Ah, qui est sur cette bicyclette? Jamy Longo. Non. Pour les pattes de Christine, bravo. Ça vaut bien 10 000 points, c'est pas mal. Wow. 10 000. C'est une comédienne? Non. C'est une photo d'aujourd'hui ou d'il y a longtemps? Parce que vu les pattes d'Ève, c'est en 70. Non. Et bien pourtant, non, c'est aujourd'hui. C'est récent, regarde, c'est un très beau Charlotte VTT. Gainsbourg. Charlotte Gainsbourg, non. Non. Vanessa Paradis qui revient avec un nouvel album. Française. C'est une fille. C'est une femme. C'est une femme française? Ah, une femme. Pas française. Ah. Birkin? Non. En Angleterre ou en France? Rampling. 10 000 points, Charlotte, j'ai dit. Charlotte Rampling. J'ai dit 10 000 points. Vous avez dit que c'était une actrice, je me souviens plus. Est-ce que c'est une anglaise? C'est une comédienne? On dirait les trottoirs anglais. Ça se passe en Angleterre, oui. Ah, en Angleterre. Madonna. Madonna, excellente réponse! C'est d'Elsa Fayère. Allez. Fabien Galthié, il faut vous réveiller peut-être sur la dernière photo. Ah, attention, ça vaut bien 1000 points. Ah, ça, c'est la femme de ah, quelqu'un. Ah, c'est pas la nounou qu'on avait reçue, là, la folle. Non, c'est la femme de... Enfin, la folle. Eddie Murphy? Non. Non. C'est un Américain, un acteur américain? Non. C'est la femme de quelqu'un? C'est la femme... Oui, c'est la femme de Roselmack. La femme d'Harry Roselmack, 1000 points pour Elsa Fayère. Oh là. Ben voilà, bon. Vous n'avez pas été excellent au qui a vu qui, ah qui a vu non, mais quoi. C'est du haut niveau là. Ah, c'est on se rend pas compte à la télévision, mais quand on est sur le plateau là, c'est. Je comprends pourquoi les All Blacks ils vous mettent. À Peut-être qu'au a qui a vu quoi. Ouais. Samedi soir, nous serons meilleurs les Français. En tout cas, on vous encouragera. Merci. Moi, j'attendrai la fin du match parce que je serai là pour prendre la relève dès 23h à peu près. C'est de 20h50 à 23h la fête du rugby. S'ils font un bon match, vous aurez une bonne audience. Ben, j'espère. Donc tenez au moins le suspense jusqu'à la fin. Parce que, évidemment, à 44, ils sont énervés, à une demi-heure de la fin, il y a tout le monde qui se tire. Alors, s'il vous plaît, au moins tenez le suspense, même si on perd. Mais le suspense. Moi, je vous filerai l'audience assez haute. Hein. Bon match, alors. Merci à vous. Et puis, quand même, on va essayer de gagner, de prendre la revanche. Samedi soir, c'est sur France 2 à partir de 20h50. Merci, Fabien Galthié. À demain.